s'est pas vu. J'étais à nose et puis action. Bah tiens, on va commencer par action. Moi, ouais, j'ai pas trouvé grand-chose, mais c'est déjà bien des bonnes choses. J'ai trouvé un beau cadre. C'est pour mettre... parce que chez ma fille, elle s'amuse à faire des... comment ça s'appelle? Un tableau de diamants. C'est des petits diamants calmés. Bon, c'est en plastique, bien sûr, c'est pas des vrais diamants. Et là, on en a offert un pour ma petite fille, Victoria. Et je voudrais lui mettre dans un cadre. Sinon, ben... comme ça, c'est plus joli. Ça fera plus joli, hein? Ouais, c'est... Stitch. Voilà. Après, j'ai trouvé ceci à action. Max mascara. Mais j'ai pas le prix. Non, j'ai pas le prix. Non, bon, bah tant pis. Tant pis pour moi. Trop content pour moi. Un mascara. Mais elles sont mortes. Max est mort. Tu parles d'un nom, toi. J'aurais bien voulu trouver la palette que tout le monde parle, mais. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. J'étais à Noyon, dans l'Oise. Si je vais y arriver, hein. Alors moi je suis une mauvaise voleuse, hein. ça c'est sûr, parce que j'en mettrais partout. Il y avait encore des bourgeois en rouge à lèvres, hein. Pas mal de choses. Et par contre, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées pour faire du sport. Ah, tu vois, c'est une grosse brosse avec avec des poils en silicone, hein. Ah, j'aime bien ça. En plus, elle est bien. Ah, qu'est-ce qu'il promet celui-là? Normalement, c'est volume, c'est tout. Oui. Volume, mascara, c'est tout. Oui, volume. Moi, j'ai pas dû payer un euro et quelques, je crois. Non, plus que ça. Après, j'ai retrouvé aussi mes petites chaussettes pour mon mari et moi-même. Ou pour. Ma fille Sarah et mon mari, ou peu importe, ça c'est bien ça. Moi j'adore avoir des pieds très doux. J'ai acheté ceci pour le blanc parce que mon mari a fait du lavage et il a mélangé les couleurs avec le blanc. Parce que j'ai horreur de ça. Alors je vais essayer ça, on m'a dit que c'était que du bien, qu'on ça ravivait blanc. Poudre détachante, je vois pas donc ça ravive le blanc. Blanc plus blanc. Ah, le blanc plus blanc. Blanc plus blanc, ça existe ça? On verra bien. C'est une petite cuillère ou quoi? Ah oui, tenez. Ah, mais en fait, il manque ça. Hein, tout ça, il n'y a pas. Ça sent bon, en tout cas. Ça sent bon. Encore un produit à mettre dans la machine à laver. 600 grammes. La prochaine fois, il faut que j'achète, c'est des produits pour nettoyer ma machine à laver. Parce que moi, souvent, j'avais tourné, pas souvent, mais une fois de temps en temps, j'avais tourné à sec et puis je mets du produit pour laver, pour désinfecter. J'ai acheté aussi des fleurs de bain, de douche. Une pour moi-même, enfin une pour ma fille Sarah et une pour moi-même. Elle choisira la couleur. Moi, j'aime bien, ça, c'est encore pareil. Ça, c'est pour cosmétique. Enfin, c'est pour mettre. Attendez, que je dise pas de bêtises. Attendez, avant que je le déchire. Hein. Base visage, c'est pour me faire une base. Donne visage un éclat radieux et aide au maquillage à tenir plus longtemps. Moi, je cherche un hydratant parce que j'ai la peau peut-être grasse. Mais il faut toujours hydrater la peau avant de me maquiller parce que je ne me maquillais plus. Et là, je me mets à me remaquiller. Ça sent pas grand-chose, en fait. Ah, ça sent bizarre. Avec ça, vous êtes pas... Ah, mais en plus, ça floutait pas. Ah ouais. Pourtant, c'est pas marqué. Non. Ah, j'ai acheté ceci. Bah, ça, c'est Dove. Tout le monde connaît Dove. Il y avait aussi Nivea. Pour nourrir. Hein. Pendant 24 heures. Hydratation. Ouais, moi, je ne garde pas ma hydratation 24 heures, vu que je me douche tous les jours. Donc, moi, si ça dure 12 heures, c'est bien. Toute la journée, quoi. Ah, ça sent bon. J'adore les produits Dove. Dove et Nivea, j'adore. Ben, c'est connu, hein. C'est connu, Dove et Nivea, mais je n'ai pas dû se payer ça avec grand-chose. Ouais. Pour la face. La face, elle est... Et ceci pour ma petite fille.
Parce que à ce cogne souvent, je me suis dit, tiens, si je. Ah, parce que j'aime pas te mettre trop de produit sur le visage d'un petit bébé. Et alors c'est marqué, enveloppe-moi dans une serviette et appuyez sur moi là où j'ai mal, là, pour que je puisse atténuer la douleur. Ne pas utiliser plus de 20 minutes. Chaud, alors sur les muscles. Réchauffez-moi pendant 20 secondes. 20 minutes, pardon. Hein, dans l'eau chaude. Ah oui, d'accord. Non bouillante. Au micro-ondes, 15 secondes. À 800 watts. Froid, pour les petits accidents, la fièvre, les piqûres d'insectes. Ah, c'est bien ça. Gardez-moi en réfrigérateur, congélateur pendant 40 minutes. Vérifiez toujours si je n'ai pas trop chaud ou trop froid avant de m'utiliser. Ouais, tu vois, c'est ça que je te parlais. C'est Ernest, ça, non? Bon, on s'en fiche. C'est juste pour pas qu'elle ait mal quand. Parce que j'ai des compresses de froid pour mon mari parce qu'il a mis migraineux. Mais c'est beaucoup trop grand pour elle. Elle a une petite tête, elle a que 14 mois. Ouais, 14 mois. Alors je me suis dit, tiens, je vais acheter ça pour mettre en bas de mon frigidaire. Puis comme ça, quand elle a une petite bosse, parce qu'elle court maintenant, hein. Elle court, puis elle se cogne, bing, sur la tête. Ça va lui plaire parce qu'il est un petit personnage. Ouais, c'est mignon. Bon, bah là, pour action, c'est fait. Là, c'est pour nous. Ah, non, c'est un peu plus simple quand même. Bah, j'ai encore pensé à ma petite Victoria. J'ai fait des fruits et, parce qu'elle aime bien jouer avec des petites choses comme ça. 3,99. La prochaine fois, il faut que j'achète, c'est un aspirateur. Parce que chaque fois, tous les jours, je passe aspirateur. À chaque fois, elle veut toujours m'aider. Et coffee 100% chef. C'est fabriqué en France. Il n'est même pas vu, dis donc. C'est fabriqué en France, tu vois. Elle va pouvoir jouer avec ça. Alors, je lui dis oui. 3,99. Plus de 18 mois. Oh, bah. C'est des gros, hein. On mettra ça à sa bouche, mais bon. Sa maman va les laver avant. Ensuite, bah, j'ai acheté ça aussi. Le même style. Alors, je pense que ça, c'est peut-être un hamburger. Ça va nous plaire. Elle connaît pas, hein, les hamburgers. Elle connaît pas du tout, du tout, du tout. Elle connaît les frites par contre. Moi, je pense que ça va l'amuser. Ben, c'est le même fabricant, c'est 2,99. Et coiffier. Et coiffier. Ouais. Ensuite, ben, j'ai acheté ceci, mais la petite, elle était avec nous, puis elle avait faim, puis moi aussi. Mais la mère Poulard, tout le monde connaît. 3,49. C'est les palettes de la mère Poulard, pur beurre. Il y en a 300 grammes. Hein. Cette femme. Hein. Mais elle tenait l'auberge, hein, cette femme-là. Et figure-toi que quand. J'ai appris il y a peu de temps que quand la. Comment dire. La, elle avait une auberge. Et quand elle a ouvert l'auberge, ils ont mis la date d'ouverture sur l'auberge en 1888. Les biscuits porte-bonheur. Et figurez-vous qu'elle les faisait pour les enfants qui passaient dans sa rue. Elle les donnait, un par un. C'est mignon, hein? Elle était gentille, un par un. Elle devait être gentille comme femme. Après, je me suis acheté ceci parce que bien, mon mari en a pas assez. Des tupperwares, tout ça. Parce qu'à chaque fois, il nous reste des restes. Et puis, il ne veut jamais rien acheter. Moi, j'étais toute seule. Ah oui, parce que lui, il était parti avec sa fille, Virginie. Virginie, n'importe quoi. Sarah, 1,20€. Moi j'aime bien, c'est parce que ça se ferme comme ceci. Hop. Cela, c'est moi qui les ai choisis. 1,20€. Mais cela, c'est lui qui. Hein, c'est toi qui les as choisis. Mais cela, c'est quoi comme marque? Ego. Ega, pardon. Mais c'est pas français. Oh, c'est comme Tupperware, hein, je pense. T'as un gris, puis un vert. Et là, il y en a trois. Bah, c'est pareil, tu vois. 800 millilitres. Trois fois 800 millilitres. Et là, combien de millilitres? 1,6 litre. C'est bien. Tu vois, il y en a des petits, puis des grands, voilà. Et là, ça s'éclipse, c'est comme ceci. Après, j'ai acheté... Oh, deux, t'en as pris, c'est même pas moi qui ai acheté ça, c'est mon mari, il aime bien la mer. Là. Après, nous avons. Ça, c'est pour ma Victoria, forcément. Ah oui. 4,99.
C'est Mouik, chante le monde. Ça va du bien, parce qu'elle adore la lecture, enfin la lecture. Vous savez ce qu'elle fait? Alors c'est marrant parce que elle fait lire sa maman, ou moi-même, ou son papy, parce qu'elle vit à la maison là, actuellement. Et là, ils ont tout carabiné, les... Écoutez, je ne peux pas l'ouvrir, 4,49, c'est comme ceci. Et apparemment, je crois qu'on passe dessus le livre, ou bien on appuie sur le petit bouton, puis il dit les personnages. Alors là, il y a un dromadaire, un cadeau d'anniversaire, une cuillère, un ballon, un éléphant, un chat, un âne, un vélo, un chat. Encore un chat, oui, qui fait du patin. Une guitare, encore un chat, mais... tambourine, c'est marqué. Apprends des chansons et parcours le monde en musique avec Mouik. 12 chansons et musique accompagnées de 12 cartes doubles merveilleusement illustrées. Découvre les paroles des chansons, les amis de Mouik et de toutes les informations sur les instruments du monde. Mais c'est génial, c'est dommage parce qu'il n'y en avait qu'un seul, enfin il n'y en avait que celui-ci. Il n'y avait pas qu'un seul, pas qu'une seule boîte, je veux dire, mais il n'y avait que ce monde-là, apparemment. C'est dommage parce que généralement, j'en achète plusieurs. Mais bon, vers... Ah oui, je vous disais, ça, à un moment, elle lit, on lit un livre. Après, elle prend le livre, puis elle monte dessus. Mais ça, ça l'amuse beaucoup. Je vous amuse moins parce que... Voilà quoi. Après, Yann, tu as trouvé 2,33 signal. Alors, c'est quoi? C'est des signaux. Intégral 8, complet, protection 18 heures. Ben ça, c'est pareil, protection 18 heures. C'est idiot parce qu'on se lève le matin, midi, soir. Hein? Enfin, bref, pour combien, j'ai dit 2 plus 1 gratuit. Bon, ça m'étonne rien. 2,33, ça va, hein? 2,33. Ensuite, j'ai acheté des pansements. Avant d'utilisation, nettoyez délicatement la plaie et la peau autour, séchez soigneusement, gardez dans un endroit frais et sec. Oui, parce que je me suis fait opérer, je vais vous expliquer pourquoi. Ceci, parce que Sarah a... c'est pas longtemps, mais enfin, ça fait peu de temps qu'elle est là. Mais elle m'a déjà cassé mon rideau. Enfin, elle m'a déjà fait un trou à l'emplacement qui est le rideau. Son papa, il avait mis des joints, enfin il avait mis des joints, n'importe quoi. Il avait mis des, comment ça s'appelle, pour mettre la vis et tout. Enfin, je sais plus. Là, c'est pour faire aussi les joints, tu vois, autour de mes noirs, du levier, du lavabo. Tu appuies là, comme ça que ça fonctionne. Mais t'as pas un pistolet? Si, t'en as un. 1,99, c'est joints et fissures. Prêt à peindre en 2 heures, protège les fissures. Une fois plus élastique. Peut se travailler pendant 20 minutes. Adapte aux travaux de finition. Maison propre et confortable. Mais oui, mais là, c'est pour les joints. C'est pas pour boucher les trous. Tu t'es trompé. Et c'est quoi ça? Pénocille. Hein. Acrylique. Et ensuite, j'ai acheté ceci. Ah oui, elle m'a fait un trou. Du coup, elle a tiré sur la barre. La petite, elle m'a fait un trou. Et j'ai acheté ceci. C'est... Capi Europe, c'est sympa, hein, Capi Europe, c'est, j'ai payé au moins 5 euros, j'ai payé 3 euros et quelques, c'est pour, vous savez quoi, je vais faire quoi, je vais mettre mes parapluies à l'entrée, vous savez, c'est du plastique, hein, c'est sympa, à l'entrée pour mettre mes parapluies pour qu'ils sèchent, ça s'en va, ah ouais, super, hop, Capi Europe, rien de marqué non plus, un doigt. Bon, bah, c'est Capi Europe. Il y en avait plusieurs formes, mais j'ai bien aimé celle-ci. C'est pas commun. Puis vous voyez les petits pieds là pour poser au sol. Voilà. Bah, j'ai trouvé que ceci. Ah non, je vais mettre à poubelle un petit bijou. À 29. Et je trouvais sympa. Pour moi, forcément. Moi, j'étais toute seule, alors j'ai pris mon temps. Le papa était parti avec sa fille, se promenait avec sa petite fille aussi. J'en ai faire des autres magasins parce que la petite fille a grandi tellement vite qu'il faut acheter des vêtements. Ah, pas ici. Voilà. Il y en avait des sympas, mais bon, ça ne me dit rien. Bon, de toute façon, c'est pas de l'or. Hein. Allez,
dessus, tu vois, avec des agrafes pour, voilà, pour laisser tenir avec ceci. Hop, hop. Alors, 1,29€. Il est joli, hein? Regarde. Il peut faire son petit effet. Voilà. Oui, je vous disais donc, je me suis fait opérer. J'ai même failli mourir. Parce que, figurez-vous, bah, que je suis malade, je grossis tout, vous m'avez vu au début de ma chaîne, et puis maintenant, mais j'ai pris beaucoup de poids à cause du médicament, de la fibromyalgie, puis je suis en dépression. Et donc, on m'a fait une sleeve, et le chirurgien a tout simplement oublié une compresse à côté de mon foie, parce qu'il a fait saigner mon foie sans faire exprès, hein, forcément. Il n'a pas fait exprès, pauvre. Et... figurez-vous que j'arrêtais pas de lui dire, je suis opérée le vendredi dans l'après-midi, je suis sortie le samedi matin. J'arrêtais pas de lui dire, écoutez, j'ai mal de ce côté-là, j'avais mal, j'ai toujours mal. Et à la fin de l'après-midi, enfin, j'étais rentrée chez moi quand ça s'est passé. Fin d'après-midi, je ne tenais plus, ma fille, elle a appelé les pompiers et c'est là qu'ils se sont aperçus que les gens gentils, ils n'étaient pas très contents. Ils m'ont fait passer des scanners, enfin IRM, et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié quelque chose dans mon estomac, enfin près de mon foie. Il s'avérait que c'était une compresse, ça. Donc, bah, je vais perdre du poids, forcément, puisque malheureusement, c'est comme ça que je peux perdre du poids. J'ai essayé plein de diététiciennes et des cachets qu'on achète dans les... sur internet, dans les pharmacies, conseillé par un pharmacien, conseillé par mon médecin. Mais bien sûr, ça marche, ça fonctionne pas, hein, c'est des bêtises. J'ai toujours, ça fait, c'est simple, Sarah, elle a 20 ans, ça fait 19 ans et demi que je suis en régime. Alors, comme je grossissais, puis ça n'arrêtait pas, puis ça joue sur ma santé. Et même j'ai même un appareil pour moi et pour la nuit parce que je fais de l'apnée du sommeil. Elle a donc pour m'aider, ben, j'ai bien mûrement réfléchi. Hein. Le seul moyen c'était de me faire opérer. Parce que j'ai essayé des autres régimes, des tas de régimes. On a essayé. Ça fait un an hein, que je suis suivie par le chirurgien, le nutritionniste, enfin plein. J'ai passé plein d'examens, des prises de sang, tout ça, autre. Ça fait un an et là, il m'a opéré le 29 janvier. Voilà. Bon, bah, pour l'instant, je me porte bien. J'ai des petites cicatrices qui me font encore mal, ce qui est normal. Je mange moins que ma petite fille et j'ai perdu plus de 10 kilos déjà. Je suis contente. Je suis contente, mais c'est pas. Je ne conseille pas. Hein. Si vous pouvez faire un régime, faites un régime. Sérieux, faites un régime. Mais j'ai 56 ans. Mais c'est pour ça que moi, ça commençait à avoir du cholestérol. Le tuyau là, qui m'aide à respirer, ben, ça a tué l'amour, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Et puis, j'ai eu beaucoup de mal à promener mon chien. Maintenant, je promène mon chien sans problème. Je suis même allée dans le magasin avant. D'abord, vous voyez, j'avais moins envie d'aller dans les magasins parce que tout le monde me regardait, forcément. Hein, obèse, ben, on vous regarde, hein, on vous insulte. On vous dit, donne-moi ça la grosse, c'est toujours des méchancetés à rafale. Mais moi, c'est pas ça qui m'a décidé, mais c'est plus pour ma santé, parce que problème de dos, problème d'articulation, problème de cheville. Et il s'avère que l'année dernière, je me suis cassé deux fois la cheville, l'un après l'autre, j'ai eu le Covid. Mais la cheville, ben, c'est le poids, hein. Faut pas se cacher. Hein. Chaque fois que je tombais, ben, chaque fois je me cassais quelque chose, ou je me faisais très mal. Et donc, j'ai dit non, on arrête là, on arrête les dégâts. Hein. Alors, du coup, je me suis fait opérer. Et l'opération, bon, elle a un petit peu dérapé. J'ai failli mourir. Parce que là, c'était vraiment la. Enfin, je pensais mourir. Hein. Tellement que je souffrais, puis qu'ils m'ont opéré en urgence. Parce que c'était parti en grosse affection. Mais c'est bon, c'est passé. Là, je suis tranquille. Hein. Là, ça y est, je veux voir mon chirurgien à la fin du mois, hein, Yann. Non, bientôt. Dans 15 jours. Dans une semaine. Tu peux parler? Non, tu m'as dit. Non, dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Puis après, je vais être suivie par une diététicienne. Alors, première semaine, c'est tout liquide. On mange tout liquide. Alors, c'est du.
bah, c'est de la, c'est du potage, mais liquide, là, pendant 2 semaines. Après, c'est très très mouliné, comme les bébés, les bébés très moulinés. Et là, je ne vais pas tarder à attaquer. Non, j'ai mis les morceaux là déjà, pas encore. Dans une semaine. Lundi. Lundi, des petits morceaux. Mais ça ne me dérange pas, hein, j'ai plus faim. J'ai plus faim. Quand je me sens que ça passe plus, j'arrête. Même il y a des moments, j'ai le matin, je mangeais deux petits BM. Soit je bois, soit je mange. Alors je bois une demi-heure avant de manger. Et je peux manger ensuite au bout d'une demi-heure. C'est pareil, si j'ai besoin de faire la sieste pour dormir, faut que j'attende une demi-heure. Bon, mais en fait, c'est pas un machin, je suis pas médecin, hein, je suis pas médecin du tout, du tout, du tout. C'était pour voir grandir mes petites filles, parce que j'ai 3 merveilleuses petites filles, et j'espère les voir grandir, sinon, ben, continuer comme ça, ben, un médecin, il a dit, il n'y a pas photo, vous allez décéder d'une crise cardiaque, hein, parce que j'ai des problèmes de cœur. Mais là, ça va un petit peu mieux, donc... croisez les doigts, et puis Totor, ben, il a entendu la porte, donc il y a quelqu'un qui arrive. Je vais vous laisser, je vais vous donner des gros bisous. Allez, aux anciens et aux nouveaux. Au revoir!